En sortant de mes études, j'ai beaucoup écrit de projets, mais qui ne se sont pas faits. Et je me suis rendu compte que, vu que je ne faisais pas moi-même, vu que j'attendais d'avoir des subsides, je ne me jetais pas moi-même dans de la réalisation un peu guérilla, avec des projets que j'avais portés jusqu'au bout, je me suis dit c'est que sans doute ce n'est pas mon truc. Donc j'ai commencé à plus m'intéresser à l'écriture. Et au même moment, Sophia Bates, donc, qui est une metteur en scène de théâtre, beaucoup de théâtre pour enfants, mais aussi théâtre pour adultes, elle est venue me trouver parce que le théâtre Le Public lui commandait une adaptation de Dracula de Bram Stoker. Et là, ce qui m'est arrivé à moi, c'est que j'ai vu qu'en écrivant quelque chose, en 6 mois, il y avait quelque chose d'écrit qui existait et qui était vu par plusieurs centaines de personnes avec 40 représentations. Et je me suis dit, bon, je galère avec des projets en réalisation depuis quelques années, et là, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. J'ai décidé de quitter Ennemi Public après la saison 2. Et au même moment, la RTB était vraiment en recherche également de nouveaux accompagnateurs pour les projets de séries belges. Et Sylvie Coquart s'est tournée vers moi à ce moment-là. Ça consiste avant tout à bien comprendre la dramaturgie. Je dirais qu'il y a une vingtaine de séries pour le moment en développement. Donc on n'est pas tous associés à toutes les séries, on est associés à certaines séries précises. Avec parfois ça bouge aussi en cours de route, parfois on se rend compte qu'un accompagnateur n'est pas la meilleure personne pour telle série. Ou alors qu'il a été la bonne personne pendant un moment, mais qu'on en arrive à un développement de la série, on a peut-être besoin de quelqu'un avec un autre regard, donc ça arrive aussi. C'est généralement de toute façon toujours en discussion avec les équipes d'auteurs. Et donc l'accompagnement, il se fait vraiment... C'est vraiment de la discussion en fait, c'est de la lecture de chaque étape. On essaye de lire assez souvent chaque étape, on essaye de faire les retours les plus constructifs possibles. Après, chaque accompagnateur, c'est un seul cerveau, évidemment. C'est une personne avec aussi parfois des goûts, avec aussi parfois des envies. Et bien sûr, on est obligé de chaque fois se recontextualiser ce qui nous vient en tête à la lecture, essayer de toujours prendre ce recul et toujours réfléchir à qu'est-ce qui est mieux pour le projet. Et donc, on a des auteurs et une formation, finalement, de scénaristes de séries qui se fait en direct, là où elle n'existait pas du tout avant en Belgique. Pour le moment, je suis l'équipe de Fils 2, donc surtout, principalement, comme auteur Antoine Maigre-Vergne, qui écrit donc, pour AT Productions. Donc, c'est une série, on va dire, plutôt avec une approche plus public adolescent, peut-être, et jeunes adultes, que les autres séries RTB. Il y a Résonance, qui est une série donc, qui est écrite par trois jeunes élèves de Fred Castado. On a un côté polar, mais qui est twisté par cette approche très psychologique et un côté très Hitchcock que j'adore dans ce projet. Donc je souhaite qu'il aille aussi jusqu'au bout. Il y a également la série Transport, et là on a vraiment des personnages extrêmement hauts en couleur et une approche familiale complètement, enfin on entre dans une famille complètement dysfonctionnelle et avec des personnages qui s'enfoncent dans la mouise tout en cherchant à s'en tirer, et c'est extrêmement jouissif, donc je leur souhaite aussi tout le meilleur. Et là maintenant avec Katia Lanero, j'ai rejoint l'équipe Baraki, donc là je suis plus du tout dans l'écriture, par contre je suis dans l'accompagnement des rushs, donc avec Sylvie, avec d'autres membres de l'équipe fiction, on reçoit donc les rushs quotidiennement, et puis on les regarde, et on envoie un rapport hebdomadaire qui n'a pas encore été envoyé. Là, on est dans la première semaine de Rush. Et c'est vraiment génial. On veut vraiment amener les meilleures conditions pour les auteurs. Je dirais qu'en 5 ans, on a... je ne saurais pas dire combien de scénaristes ont SMA, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a un métier qui n'était pas reconnu, ou très peu en Belgique, c'est-à-dire qui était généralement associé au métier de réalisateur, de par l'influence et l'héritage franco-français, qui est cette notion d'auteur-réalisateur. Et là, maintenant, on a la coexistence des deux en Belgique. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.